Donc, bien sûr, l'événement en soi, le 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, a pour but et sera l'événement de 2017. Il aura pour but de souligner l'excellence de nos entreprises, bien sûr. Le dernier gala avait eu lieu en 2012, donc ça fait déjà quelques années, et nous voyons l'importance de remettre de l'avant cet événement qui aura lieu le 1er avril 2017. Donc, c'est un événement majeur dans notre MRC du Rocher-Percé, vous le savez, hein, vous avez déjà participé. Le gala reconnaissance est avant tout une grande fête. Hein. Nous devons à ce moment-là, bien sûr, rayonner de notre présence, de nos candidatures, et c'est une grande fête en soi. C'est l'occasion de célébrer l'excellence et le rayonnement des entreprises de chez nous. Le gala reconnaissance également met en lumière nos partenaires, nos organisations qui sont tout près de nos entrepreneurs et qui permettent l'avancement toujours de nos entreprises au sein de la MRC du Rocher-Percé. Donc, le samedi 1er avril, à la salle de l'âge d'or de Newport, située au 184 route 132 à Newport, aura lieu le 6e gala reconnaissance de la MRC Rocher-Percé. Les partenaires, bien sûr, notre partenaire officiel, notre partenaire officiel, donc Desjardins, le Centre du Littoral et Centre Sud Gaspésien, ainsi que le Centre financier aux entreprises, sont nos partenaires officiels de ce 6e gala reconnaissance. Ensuite, ce gala a également, comme partenaire, je prie de m'excuser, hein, donc le gala est rendu possible aussi grâce à la SADC du Rocher-Percé, à la MRC du Rocher-Percé, TVCGR, CHNC, le Journal de l'Est et TC Média. Donc, nous remercions grandement tous nos partenaires officiels. Desjardins Entreprises est un partenaire naturel des chambres de commerce partout sur le territoire Gaspésie-les-Îles. On calcule qu'à peu près 8 entreprises sur 10 font affaire chez nous, donc c'est normal qu'on s'implique dans ces beaux événements-là. Je comprends que ça va être une fête en plus, fait que c'est d'autant plus dynamique. J'ai appris mon métier ici, dans Rocher-Percé. J'ai été directeur de compte la première fois ici à Chandler, au bureau. Donc, c'est les gens, les hommes, les femmes d'affaires d'ici qui m'ont appris mon métier. Donc, je suis content de revenir comme président d'honneur ici avec Croisé à nouveau, ces gens-là. Il y a un beau dynamisme dans le coin. Notre économie gaspésienne et madelinienne n'est pas tout le temps facile, mais c'est le fun de voir les gens aller se débrouiller et être innovatif, créatif plutôt, innovateur, réussir à... dans le fond, à percer où il y a bien des entreprises dans les grands centres, finalement, qui ne réussissent pas nécessairement à le faire. Donc, le gala, c'est aussi ça. C'est justement l'occasion de souligner tous les efforts que les gens d'affaires font. Partenariat, c'est un mot qui revient souvent chez Desjardins Entreprises, puis ça nous fait plaisir d'être partenaire pour le prochain gala. Alors, dès maintenant, vous pouvez aller sur notre site web au www.ccrocherpercé.org pour pouvoir télécharger notre cahier de mise en candidature. Alors, vous prendrez là alors connaissance des catégories qui sont offertes pour vous présenter dans le cahier de mise en candidature. Vous avez la chance, je parle aux entreprises, aux organismes, de vous présenter dans deux catégories. Date limite importante pour remettre les mises en candidature, ce sera le 24 février dès 16h. Après cette date, alors on aura un comité de présélection qui s'assurera que tous les cahiers sont conformes et pour remettre ça au comité du jury. Il y a des catégories qui sont absentes dans le cahier. Les catégories « L'entreprise de l'année » et « L'étoile de la MRC ». Alors pourquoi? Parce que l'entreprise de l'année sera déterminée par le jury lui-même parmi les lauréats de la soirée. Et l'étoile de la MRC, que j'ai appelée « coup de cœur de la MRC » également, c'est un vote du public. Alors, on invite dès maintenant les gens du public à aller mettre en candidature une personnalité parmi notre merveilleux monde des affaires, alors une personnalité qui agit dans le monde des affaires de notre MRC, qui se mériterait cette année notre coup de cœur. On parle du coût des billets, c'est important.
Alors, pour une personne, alors c'est 100 $ l'unité. Une table de 10 personnes complète, c'est 950. Et par contre, c'est ça, les gens peuvent réserver 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. On se joint, on groupe ça à une table, puis on a beaucoup de plaisir. Par contre aussi, je tiens à mentionner qu'il y a certains plans de commandite qui offrent des repas inclus. Alors, j'invite les commerçants, les entreprises, les gens d'affaires à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse expliquer mieux ce processus de commandite.